là où ça bouge, à Saint-Aubin-sur-Mer, à La Halle, pour vous présenter une exposition photographique qui s'appelle 2°20, la France par le milieu. C'est un challenge qu'a relevé le photographe Jean-Michel Lelligny en vélo. Ah bah, quand voilà, on parle pareil. Du Louvre. L'idée, c'est de traverser la France sur pas n'importe quel méridien, le méridien de Paris qui a servi à déterminer la mesure du mètre. Je suis allé de Dunkerque à Prades-des-Molos-la-Prelle, très exactement. J'ai essayé de suivre les routes au plus près possible de cette ligne-là qui est au milieu de la carte. Et voilà, je passais là, donc par exemple à Saint-Iliade, voilà. Au plus près. J'aime bien introduire du texte sur les images. Disons que j'aime bien, avec mes images, raconter des histoires. Pour moi, ça me paraissait la façon la plus cohérente de présenter mon journal, des extraits de mon journal de bord. Même si parfois, il n'y a pas grand-chose à dire. Par exemple, les quatre solitaires, ils sont solitaires. Voilà, ça suffit, quoi. Le monsieur qui est juste après, qui est un agriculteur, c'est une rencontre par hasard. Le fer à béton qui est... dans sa main, marque l'intersection du 45e parallèle et de la méridienne. Alors, ça, c'est le vélo de l'aventure. Oui. L'appareil photo, c'est quoi? C'est quelque chose de... Vous voulez que je vous le montre? Ben oui. Ben, on y va. Il est là? Je tiens le vélo. Ouais, c'est un vrai appareil photo de photographe. Avec, donc, c'est un appareil... C'est pas un numérique, ça? Non, c'est un argentique qui fonctionne avec des bobines. Ah là là, de film. Il faut tout trimballer. On fait 10 photos sur une bobine, donc c'est pas beaucoup. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir les photos que l'on fait. Et l'intérêt de ce genre d'appareil, c'est que, bon, déjà, on a une très grande qualité de photographie, mais c'est aussi qu'on va plus facilement à la rencontre des gens. Pour une photo, on en fait combien? Une. Ah, one shot. Voilà, one shot. C'était le challenge. C'était le challenge, one shot. Toutes les photos sont centrées. Ce qui, a priori, n'est pas ce qu'on apprend dans les écoles. Mais en fait, c'est un peu la méridienne de Paris. Il traverse la France par le milieu. Donc, en fait, j'ai pris ce stratagème pour mes photographies. Il y a un livre. Tout à fait. Qui est paru aux éditions de Juillet. 2°20, la France par le milieu, des photographies de Jean-Michel Lelligny. Et l'endroit, c'est... La Halle de Saint-Aubin-sur-Mer. Et c'est jusqu'au 31 mars.